Ouais, je bien ou quoi? Tranquille ou quoi? Ouais, tranquille. Bon, là, on va parler de quelque chose de moins tendu. On va parler de Lionel Messi, qui vient une nouvelle fois de recruter un ancien joueur du FC Barcelone. C'est terminé, arrêtons d'appeler l'Inter Miami, appelons ça l'Inter Messi. Mais bien sûr, c'est à Messi le club. Il a fait venir tous ses amis. Il a recréé l'équipe du FC Barcelone. Il a ramené Sergio Busquets. Là, on a Jordi Alba qui vient de terminer ses vacances et qui vient de commencer l'entraînement avec le dictateur Lionel Messi, aka Inter Messi. Et voilà! Donc, l'Inter Miami va s'appeler l'Inter Barcelone. Oh là là! Donc là, Miami, je tiens à vous dire que vous n'avez jamais vu de vrai football. Voilà. Donc, vous, ce que vous jouez, c'est le poker, c'est le baseball, c'est le football américain, c'est le hockey sur glace, c'est des trucs de grand n'importe quoi, on ne comprend même pas les règles. Oh, la balle, elle est sortie, ouais, ça continue à jouer, on ne comprend pas à quoi vous jouez. Là, le football vient s'installer aux États-Unis. Et là, on commence à comprendre que les États-Unis ne connaissent rien en matière de foot. Là, on a Eminem qui vient juste de se rendre compte que Lionel Messi était aux États-Unis. Et il a commencé à dire que, ouais, voilà, moi, je connais qu'un seul joueur de foot, hein, c'est le meilleur du monde, il est comme moi, voilà, c'est Lionel Messi. Eminem, depuis quand toi, t'es le meilleur du monde? T'es nul, hein? T'es nul à chier. Sorry, mama. C'est quoi ça? C'est du rap? Hein? C'est du rap ou tu manges des spaghettis en voulant parler? C'est quoi ton délire? Tu penses que nous, on écoute ta musique? Tu crois que j'ai déjà entendu quelqu'un dire eh, mets le nouveau Eminem là, ouais, on va se casser la nuque. Jamais de la vie. On peut même pas danser sur tes sons. Je vais t'expliquer. T'es nul. Voilà, Lionel Messi est fort, mais t'as jamais eu son talent en musique et jamais de la vie. T'es fou ou quoi? T'es malade. Alors là, Eminem, franchement, ouais, toi tu manges des pâtes qui sont même pas cuites. Ah ouais? Il les prend à l'intérieur du paquet comme si c'était des chips. Bon, bref, on va plutôt parler de Lionel Messi qui est en train de créer son empire à l'Inter Miami, qui est en train de faire venir tous ses sujets. Et ces sujets vont venir s'installer et ils vont se battre pour lui. Tu crois quoi? Tu penses que Jordi Alba, quand il va commencer à déborder sur la gauche, là, qu'il va faire une passe à quelqu'un d'autre que Messi? Mais vous êtes malade. Vous n'avez pas vu les passe-passe que Lionel Messi et Sergio Busquets se font? 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et là, Jordi Alba, c'est fini. Laissez-les jouer à 3, hein. Les autres joueurs américains, mexicains, là, sortez, vous êtes nuls. Et là, on a vu, bon, blague à part, je sais, j'en parle dans la vidéo de Messi, je sais que ça va énerver beaucoup de gens. On a Cristiano Ronaldo qui vient de mettre un but de la tête, hein, qui dépasse le record du monde de buts de la tête. Voilà, il a dû partir en Arabie Saoudite pour battre ce record, mais c'est pas grave, il continue à battre des records. On va pas se mentir, CR7 nous a beaucoup divertis. Maintenant, il nous divertit un peu moins, mais il continue à battre les records. Dans tous les cas, demain, Lionel Messi va jouer avec tous ses sujets, hein, voilà, avec son peuple. Voilà, il va pouvoir leur dire quoi faire. Il va leur donner des impôts à payer. Ils vont payer leurs impôts et puis ils vont pouvoir jouer. Dans tous les cas, l'Inter Miami, c'est terminé. C'est l'Inter Barcelone ou l'Inter Messi. Tu comprends?